ce morceau s'appelait Mercredi. Et j'arrive pas encore à le jouer assez bien parce que c'est un morceau qui sonne un peu comme un morceau de classique. Et j'ai pas du tout fait de classique dans ma vie, du coup j'ai un peu un toucher de jazzeux, comme on pourrait dire. Et voilà, je vais le bosser. Je vous promets, et je vais le bosser et vous pourrez l'écouter dans mon album que je compte enregistrer, je pense, l'année prochaine. Et il sera sûrement mieux joué que ça. Et voilà, c'est un morceau très court, je veux qu'il reste très court comme ça, j'aime beaucoup le jouer. Et voilà, je vais enchaîner avec une compo qui s'appelle Course dans la nuit, qui relate un peu des événements qui sont passés dans ma vie. Parce que je suis pas quelqu'un qui fugue beaucoup. Mais par contre, j'aime bien sortir la nuit parce que je viens de la campagne. Et j'aimais bien aller dans la forêt la nuit. Moi, je sais, c'est bizarre, mais je fais des balades nocturnes tout seul. Et c'est hyper inspirant, c'est hyper ressourçant. Voilà. Pour ceux qui viennent de la ville, c'est peut-être un peu bizarre. Mais moi, j'adore ça. Donc voilà, ça donnait lieu à plein d'inspirations ou plein d'idées, comme ce morceau qui va suivre, Course dans la nuit. Merci. Thank you.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est très aimable. Du coup, c'était Courses dans la nuit, que j'ai beaucoup... j'ai beaucoup improvisé, voilà. D'habitude, c'est un morceau assez écrit, et là, j'ai pris plein de liberté. Je considère que ce contexte-là me permet de prendre beaucoup de risques, et je suis très content de ça. Et voilà, je vais enchaîner avec une compo très récente, qui date d'il y a quelques semaines, qui s'appelle La fille du soleil. Voilà. Merci beaucoup. Bravo!
Wow. Wow. Bravo, bravo. Fire, man. Fire. Je vais maintenant appeler Levan Kachli, je lui dis, s'il vous plaît, à la guitare.